Hey, maman, maman. Regarde, j'ai trouvé mon kit pour le bal. T'es malade? Ouais, malade. On n'avait pas dit pas plus que 100 $? Ouais, mais ben, je me disais que tu pourrais m'avancer l'argent. Je vais te rembourser. Ah, oh, ouais, je le connais, ce truc-là. Tu me dis ça, puis après ça, tu me demandes de pas te donner cadeau de fête au lieu de me rembourser. Mais là, moi, je me sens tellement mal que je finis par t'acheter un cadeau pareil. Oui, mais là, je vais te rembourser pour vrai. Je vais me trouver une job. Ah oui? Tu veux travailler où? Il y a plein de restos qui cherchent du monde. Ben, bonne idée. Fait que tu t'occupes du souper? C'est quoi le rapport? Ben, ça va te prendre de l'expérience pour ton CV. Des sandwichs aux tomates? Pourquoi t'as envie de trouver un premier emploi? C'est assez évident. L'argent. Qu'est-ce que t'aimerais faire comme premier emploi idéal? Moi, en ce moment, je suis en train de travailler. Être moniteur dans un camp de jour. Je pense que le chapeau de plage avec les lunettes, c'est un incontournable. Est-ce que tu t'es acheté quelque chose de spécial avec ta première paye? Je viens de recevoir ma paye genre une semaine avant Noël, fait que tout en cadeau pour toute ma famille. Pas rien de spécial, j'ai été avec ma meilleure amie m'acheter un café glacé au témoin. Je me rappelle encore... Ouais. On a une économe ici, on a vraiment une économe. Mettons que je te demande, là, c'est quoi l'impôt, là, tu me répondrais quoi? De l'argent qui est enlevé de ta paye pour une raison X. Je sais pas pourquoi. Qui t'enlève cet argent-là? Le gouvernement. Bah, parfait. Vois, ça, c'est une bonne réponse, tu vois. Tu vas penser plus que tu penses. Je vais jamais réussir à me trouver de job avec ça. Mon CV, il est plus vite qu'un trou noir. Mais tu sais, en fait, c'est pas vide, un trou noir, hein. C'est rempli de matière. C'est juste que le trou noir a un champ gravitationnel tellement intense qu'il n'y a aucune matière qui entre qui peut en ressortir, y compris la lumière. Hey, merci. Merci. Maintenant, dans expériences diverses, je vais pouvoir écrire « Nouvellement expert en trou noir ». Bon. C'est déjà ça de plus, hein? Attends un peu, là. Jolie, t'as animé les méritas à ton école? Ça veut dire que t'es à l'aise avec le public? Mais ça? Ouais. Et je suis aussi capable de faire un kickflip 360 en skate. Ça veut dire quoi, ça? Ben, que t'es souvent allé à l'urgence. Non. Le soir, je vais m'arranger. Hein? Merci, maman. Quoi? Puis mon sandwich aux tomates? Pain, mayo, tomate, sel poivre. Yeah. J'aimerais ça savoir, Lignan, est-ce que t'as déjà passé des entrevues? Ah, non, pas vraiment. Je vais te faire une petite simulation d'entrevue. Hey boy! Si je te demande, tiens, c'est quoi ta plus grande qualité et ton plus grand défaut, tu dirais quoi? Ben, si tu me demandes ça, je te dirais que t'es pas très original. Bien sûr, tout ça. Ma plus grande qualité, je pense, c'est ma persévérance. Mon plus grand défaut... Je pense que c'est j'ai un peu de misère avec l'anglais. Parfait. Et si t'étais un animal, est-ce que tu serais un loup? Non, je serais clairement genre un petit chiot. Parce que je suis calme puis sympathique puis j'aime se faire des câlins. Mais pas pendant ma job. OK. Dernière question, la plus importante. Si t'étais un arbre, tu serais quoi? Je pense que je serais un sapin. Parce que c'est beau, les sapins. Bonne journée! Yes! J'ai eu ma paye. Hé, wow! Hé! Mais voyons, tu m'as pas dit que t'avais fait 15 heures? Ouais. Mais c'est parce que t'as juste 23 $ dans ton compte? Ah, ouais, ça, c'est parce que, en fait, j'ai 30% de rabais comme employé au magasin de skate. Mm-hmm. Fait qu'avec ma paye, je me suis acheté un deck, des nouvelles roues, puis des nouveaux trucks. Yeah boy, je pourrais de me faire rembourser, moi, là. Ouais, c'est ça, je me disais, en fait, tu sais, à place de te rembourser, tu pourrais peut-être juste pas me donner de cadeau de fête. Ça ferait pareil. Je le savais.